Bonjour les amis, c'est Tolly le Belge. Aujourd'hui, une multitude de nouveautés. Nouveautés, pourquoi? Parce que nous avons la chance d'avoir la toute nouvelle Tresor 7 GT, avec le nouveau tableau de bord, etc. Mais pas que ça. Qu'avons-nous nouveau aujourd'hui aussi? Nous avons la chance d'avoir la nouvelle Transalp. Tout nouveau modèle 2023 avec le nouveau moulin, etc. Voilà. Vous avez vu d'ailleurs en dessous, on a l'autre nouveauté de la dernière fois aussi, puisque évidemment ma formidable secrétaire Sarah m'a fait un merveilleux copion pour me rappeler toutes les conneries sur ces motos. Troisième nouveauté, bah, la nouvelle V-Strom, la nouvelle Suzuki 800 DE, puisque la DL. C'est ce que je pensais avoir refilé à Sarah, sauf que la DL n'existe qu'en 650. Donc, quand vous partez sur le V-Strom, c'est la grosse 800 DE. Et il y a une quatrième nouveauté. Oui, parce que vous l'avez adoré sur les dernières vidéos. C'était plébiscité. Vous m'avez dit, on veut que vous continuiez comme ça. Oui, j'ai ramené Gilles. Et donc, mais qui porte la caméra? C'est Gilles, réveille-toi. Gilles, réveille-toi. C'est le moment. Voilà. Donc Gilles, il est toujours à fond. À fond les ballons. À fond les ballons. Attends, pare-brise, réglable, des poignées de frein, donc, un accélérateur. Et puis. C'est une moto, t'en vales pas. Alors donc, les amis, ben voilà, on est là de nouveau. Vous avez beaucoup aimé le format A2. C'est pas mal ça, on pourra avoir un format A4 aussi. Un format A2, et bien donc voilà, on va vous le faire. Donc Gilles, on était se balader à 3. Oui. Enfin, à 4 avec notre caméraman de course, comme d'habitude. Ça fait beaucoup, à 2, à 3, à 4. Oui. Donc, elles sont toutes les trois disponibles en A2. Oui. Oh, très beau le mixage entre les deux trucs. Très beau. Donc, on a été se balader avec ces trois bécanes. Alors, clairement, n'oublions pas que elles ne sont pas toutes les trois dans la même catégorie, puisque ceci, ce n'est pas un trail. Non. C'est une... Alors, c'est une sportive trail. C'est un sport aventure. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une sportive haute. Quelle est la différence? Quelle est la principale différence? C'est évidemment la taille de la roue avant. Donc, c'est un 17 pouces. Alors que sur les autres, on est sur de 21 pouces. Autre différence aussi, c'est évidemment que le Tresor 7, c'est vraiment une grand tourisme. Donc, il n'y a aucune protection. Donc, c'est absolument pas du tout fait pour aller rouler dans les chemins. Mais par contre, c'est une moto haute et c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion avec ce nouveau look, ce côté beaucoup plus léché qu'on trouve sur cette Tresor 7. Je pense qu'elle va faire un peu de mal à la MT-07. Alors, pour le reste, on a effectivement tous les équipements qui vous sont proposés. Oh, elle est bien. Donc oui, ça, c'est tous les moyens qu'on a chez Oli le Belge. On a un magnifique pare-brise qui est réglable, un grand pare-brise réglable. Réglable en roulant, d'ailleurs. Oui, voilà, donc effectivement, on peut effectivement l'attraper. C'est une poignée qui est très facile à utiliser, avec un système de verrouillage qui est vraiment très simple. On a des déflecteurs de main. Donc c'est vraiment en fait pour dévier l'air en fait vraiment autour des mains et vraiment réduire l'effet de froid, ce qui est vraiment très très bien. On a une selle confort. Parce que ça j'avoue que ça a vraiment été le top. Franchement, elle est très agréable, même plus agréable en fait que la selle d'origine qui est disponible sur les MT-07. Nous ne les avons pas actuellement, mais normalement, il y a un kit bagage avec un système de verrouillage assez simple. Il suffit de simplement le déposer, ici de venir verrouiller. Et voilà, c'est vraiment un kit qui est très simple. Et pas de top case en option. Il y a la possibilité d'avoir le top case en option, mais Yamaha ne le propose jamais. Non. Alors, il y a une chose qui est très importante, et ça, vous le verrez dans le catalogue Yamaha, c'est sur le Tresor 7 GT, vous avez effectivement les valises rigides. Vous allez pouvoir, donc comme Gilles l'a expliqué, les mettre ici. Il y a la possibilité d'avoir une bagagerie souple, mais... Quand vous mettez la bagagerie souple, vous gardez de superbes morceaux de ferraille qui dépassent. Donc esthétiquement, c'est beaucoup moins réussi. Alors c'est vrai que petite chose qu'il n'y a pas sur ce modèle, c'est le shifter qui aujourd'hui, je pense qu'il est d'origine sur la MT-07. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises sur les versions 2023. Il est optionnel sur celle-ci. Ok. Dernière chose, c'est vrai que dans le kit Tresor GT, vous avez également... Les pads de protection, qui sont des pads qui sont là pour un peu stabiliser le pilote. Alors, une chose, donc c'est extrêmement confortable. Seule chose, c'est qu'effectivement, par des grandes chaleurs comme aujourd'hui, je ne sais pas si tu as remarqué, moi, ça m'a un petit peu chauffé les fesses quand c'était... Mais bon, c'est pas quelque chose... Non, sans perso, il y a eu pire. Il y a eu pire. Oui, bien sûr. Oui, autres, voilà. On en reviendra tout à l'heure. Sinon, caractère moteur.
Sympa. Franchement, on ne s'imagine pas qu'elle est plus lourde quand même qu'une MT-07. Et franchement, au niveau du caractère moteur, on retrouve le moteur de chez Yam qui est pétillant, je peux le dire comme tout ça. À fait. Et que malgré ses 72 chevaux et 6,9 mètres kilos de couple qui sont quand même disponibles assez tôt, franchement, on sent qu'elle a envie. Voilà, elle n'a pas de retenue. Alors, petite chose, c'est qu'il y a une suspension qui est réglable dessus. Je ne sais pas si. Non, sur la MT-07, il n'y avait pas de suspension réglable. Donc ici on voit qu'il y a une suspension qui est réglable uniquement d'un seul côté. Donc ici on a la précharge du ressort, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, la précharge du ressort et un réglage hydraulique pour régler à l'avant. Et je pense qu'à l'arrière on doit avoir uniquement le réglage, je vous avoue j'ai pas regardé, oui on a un réglage qui est de ce côté-ci. Donc on a un réglage hydraulique qui est juste ici et on a un réglage pour la précharge du ressort pour quand on prend du poids sur la machine, de pouvoir stabiliser la machine ou sinon si on prend tout un gros volume de bagages plus un passager, la moto va être déséquilibrée. Donc, voilà. Et une chose très importante, on ne peut pas passer au-dessus de ça, c'est le nouveau tableau de bord, oui. Évidemment. Alors là, forcément, je vais faire la démo. Donc, nouveau tableau de bord qui est déjà disponible pour, si je ne dis pas de bêtises, c'était sur les MT-09 oui. Qu'il l'avait sorti. On a retrouvé ce tableau de bord sur le T-Max. Le T-Max, donc c'est exactement le même tableau de bord que le T-Max. Alors donc pour diriger le tableau de bord, en fait, on a la fameuse molette. Alors la seule chose que j'ai trouvée qui était un peu spéciale, c'est que quand la moto est neuve, le bouton il est un peu spécial. Donc moi j'utilise deux doigts pour l'actionner. Et donc en fait on a la possibilité de changer le thème du tableau de bord. Donc on a la possibilité de connecter son téléphone, de pouvoir lire ses messages. De changer les paramètres de la moto, en tout cas les paramètres de tout ce qui est heure et température. Et on a la possibilité de changer le thème. Donc on a deux thèmes, on a Street et Touring. Voilà, vous sélectionnez un des thèmes. Et normalement, non, ça, à chaque fois je me trompe, donc apparemment il faut tenir appuyé peut-être. Voilà. Non, c'était sur Touring. Ah bah écoute, voilà, ça arrive, donc je vais le refaire pour le fun, mais... Voilà, on a. Non, il veut pas. Bon, il veut pas. Et les gars, allez sur Internet. Il y a d'autres personnes. On est fatigué, on a chaud. On a extrêmement chaud. Alors, dernière chose, quand même, qui est quand même très sympa sur cette MT-07, c'est les deux connectiques devant. Donc, on a un USB à gauche et à droite. Un allume-cigare, enfin, on appelle ça toujours une prise allume-cigare. Donc prise allume-cigare, l'avantage c'est que si je ne me trompe, tu peux même mettre là-dessus une triple sortie USB ou une double. C'est double. Double sortie double USB. Donc sortie si USB. Vous avez beaucoup de choses à connecter, ça reste quand même très sympathique. Pour le reste, vraiment, au niveau de la tenue de route, c'est vraiment une moto de route. C'est pas tellement malin ce que je viens de dire, mais en fait ce qui se passe c'est que c'est vrai comme on a roulé avec les deux trails en comparo, cette moto-ci est beaucoup plus rigide. Elle est effectivement... Elle est beaucoup plus stable sur la route. Elle est beaucoup plus stable. Voilà. Elle est un peu plus dure. Surtout que les deux autres sont extrêmement souples. Donc, celle-ci est un petit peu plus dure. Et on va le voir au niveau de la taille. Ben justement, c'est l'occasion. Donc, vous voyez que pour Gilles, qui fait 1 mètre... Je fais 1m78. 1m78, voilà. C'est une... Et une fois de plus, dernier truc sur le pare-brise réglable, on a tous les deux roulé avec le pare-brise en position basse. Pour la chaleur, parce que... Pour la chaleur, ça reste le gros avantage d'avoir un pare-brise réglable. C'est vraiment de pouvoir dire, voilà, on peut le descendre, on peut le remonter tout en roulant, donc c'est quand même extrêmement pratique. On peut faire ça facilement, alors, il suffit de faire ça. Que ferait-on, puisqu'on est à 7 minutes, à 8 minutes maintenant. Ouais, on va faire un petit cut et puis on va faire plusieurs vidéos parce que, bon voilà, en plus on est attaqué par les mouches. Voilà. Et puis il y a des touristes qui viennent se garer à côté de nous. Donc bon, les amis, sur ce, allez, à tout de suite. À tout de suite. Honda Power of Dreams, donc qui veut dire tout simplement la puissance des rêves. La puissance des rêves. Alors, question, est-ce qu'elle t'a fait rêver? Alors, voilà, effectivement, on présente cette nouveauté, cette Transalp. Il faut revenir, parce que je vous ai assez parlé de la Hornet. On a tous kiffé le moteur de la Hornet. Ouais. Effectivement, ce moteur se retrouve dans cette Transalp. La sonorité est toujours aussi belle. Et franchement, c'est vrai que c'est un régal sur la route. Des trois motos qu'on vous a présentées dans la première partie, je crois qu'on a tous été unanimes pour dire que c'était la plus homogène. La plus polyvalente. La plus polyvalente. Donc, elle peut sortir des chemins, elle peut rouler sur route et clairement, elle est quand même super agréable. Alors moi,
Je trouve que dans cette couleur, il y a trois couleurs qui sont disponibles pour la Transalp. Je trouve que dans cette couleur, c'est peut-être la couleur qui est la couleur originelle, puisqu'on retrouve l'idée des couleurs originelles de la Transalp des années 80. Je trouve par contre que ce n'est pas vraiment la couleur qui la met la plus en valeur. Je préfère une couleur grise. Il y a un gris ou il y a un noir. Elle est un peu plus... Sinon, pour le reste, c'est vrai que vraiment... On peut le dire. Ouais. On a tous vraiment adoré cette moto. Alors, nous n'avons pas la monte pneumatique d'origine. Donc, une des choses qu'on a tous ressenti, c'est que effectivement, ces pneus, ils ont mis des pneus avec un profil beaucoup plus trail. Et donc, comme à l'instar de ton pick-up, une fois qu'on roule à 120 km/h sur l'autoroute, c'est vraiment des pneus qui sont assez bruyants. Ça vibre et on sent qu'ils sont rigides. Mais par contre, glissent jamais. Hein. Non, ils glissent pas, franchement, à ce niveau-là. Mais la moto est super bien équilibrée. J'ai juste dû resserrer la suspension arrière quand j'ai fait le test avec Mélissa. Effectivement, quand on était à deux, j'ai dû retendre la suspension. Mais généralement, sur des motos de cette catégorie-là, les suspensions sont toujours un petit peu justes parce que ce sont des motos assez légères. Alors celle-ci, elle fait, si je ne dis pas de bêtises, 209 kg. 209 kg, je regarde sur le copion. elle a maigri depuis, 208 kg. Voilà, 208, voilà. Donc elle fait 208 kg, sachant que la Hornet, si je me rappelle, fait 192 kg, quelque chose comme ça. Elle était super légère. Donc franchement, elle est super légère. Elle a vraiment une maniabilité qui est vraiment très facile. On retrouve un guidon qui est très haut. Alors, je pense que ce n'est pas une option, bêtises. C'est pas une option. Donc, on a vraiment ce guidon qui est vraiment surélevé. On peut vraiment voir la différence par rapport à la Tracer 7 qui a déjà un guidon surélevé, mais on voit déjà vraiment la différence de guidon où là, on est sur une moto de route où on est légèrement incliné vers l'avant. Là, on a vraiment une position royale bien droite. On peut le dire même par rapport au pontet. Hein. C'est voilà. Ça s'appelle comme ça. Hein. Oui, c'est ça. Je vais le faire aussi, Sarah, si tu peux venir vers moi pour montrer les pontets. Ça, c'est des beaux pontets, ça. Hein. C'est des pontets-levis. Non, je déconne, ce sont des pontets tout court. Tant que tu es là, ne bouge pas, on va également montrer le tableau de bord. Qui est le même que celui de la Hornet. Exactement. Avec les mêmes options que sur la Hornet. Alors là, c'est moi qui l'ai configuré en fond noir. Il faut savoir qu'on peut régler le fond. On peut avoir un fond blanc, un fond noir, un fond gris. Donc là, c'est la vision qu'on aurait en fait de nuit. Donc quand le tableau de bord change de lui-même, il y a un capteur qui permet de changer le fond. On retrouve les mêmes Komodo que sur la Hornet ou même que sur la CB1000R, donc la même que ma CB1000R, où ici, juste d'une pression d'un bouton, on peut changer les différents modes. Donc on a le mode pluie, on a le mode gravel qui se rajoute, donc qui est un mode tout terrain. Alors petite particularité, c'est que l'ABS, on voit en fait qu'il y a deux positions et en fait il est marqué off-road à côté, mais on ne peut pas le désactiver. C'est la seule petite chose que j'ai trouvé dommage. J'ai cherché dans les différents menus pour essayer de désactiver l'ABS en pensant qu'il était désactivable sur l'arrière. Et non, donc en fait, il y a deux positions pour l'ABS, un road et un off-road. Malgré quand on freine de l'arrière dans des chemins de gravier, l'arrière, à un moment, l'ABS se déclenche quand même et donc empêche la glisse totale de la moto. Donc voilà. Donc on a ce mode gravel, on retrouve un mode user où dans ce mode user, en tenant le bouton mode appuyé, on peut modifier les différents paramètres, donc la puissance, le frein moteur, le traction control et l'ABS qui est disponible que sur deux positions. Vous voyez, on peut pas faire plus, quoi. Voilà. Alors, une chose que, évidemment, on a un petit peu regretté dans ce tableau de bord, c'est que par contre, on n'a pas d'USB. C'est en option. Ça, donc il y a la possibilité, il y a le trou qui est là, qui est prévu. Donc c'est peut-être une option à prendre. Ouais. Mais effectivement, il n'y a pas malheureusement d'USB. Les poignées chauffantes qui ne sont pas dessus. Les poignées chauffantes, mais ça c'est également une option. C'est un peu un plug and play comme toi ? Oui, c'est un plug and play. Donc je pense que ça doit coûter dans les environs de 200 euros, quelque chose comme ça, juste la pièce. Hein. Donc il y a le montage qui est à comprendre en plus. Okay. Donc voilà. Et une chose qu'évidemment on n'avait pas sur la Tracer 7 GT que nous avons reçue, c'est un superbe shifter Honda. Viens par ici. Viens montrer par la même occasion. Et donc il est d'origine. Il est d'origine et il est génial. Oui,
Bah écoute, alors c'est ça qui est assez comique, c'est que sur la Hornet, ils ont décidé de ne pas mettre le shifter d'origine pour réduire le prix de la moto. Par contre, sur la Transalp, ils ont décidé de le mettre d'origine sur la moto. C'est ça que j'ai trouvé assez impressionnant. Surtout que bah, la prochaine moto qu'on va voir, en fait, chez eux, c'est d'origine. Donc c'est vrai que c'est peut-être la petite chose, je veux dire, c'est l'option aujourd'hui qui mérite vraiment sa place sur cette moto. Surtout qu'il est réglable sur trois positions, donc en fait, c'est simplement la... On va dire la force qu'on va exercer sur le shifter pour pouvoir changer les vitesses. Donc il y a trois modes, il y a dur, moyen et souple, ou désactivé. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis désactivé, alors que bon, voilà, peut-être pour... Surtout qu'on a la chance d'avoir un shifter comme ça qui fonctionne aussi bien. Donc on va regarder la taille de Gilles. Repasse de l'autre côté, donc il n'a pas grandi depuis tout à l'heure, je pense. On ne sait jamais, hein, avec la chaleur. Hein, avec la chaleur, c'est possible, c'est possible. Donc, voilà. Donc on voit que j'ai vraiment une position bien droite et franchement la position est vraiment super agréable. Et la protection de base, malheureusement ce pare-brise n'est pas réglable, mais franchement il protège pas mal. Perso, moi j'ai pas eu de soucis au niveau de la protection, je l'ai même trouvé très 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 agréable malgré la chaleur. Mais c'est surprenant, en fait oui, c'est vrai, je me suis mal exprimé, Gilles a raison. J'ai été aussi surpris malgré la finesse du pare-brise et malgré sa taille. Je parle toujours du pare-brise, évidemment, eh bien, il protège vachement bien. Donc, Sarah, essaie d'éviter d'éternuer derrière le truc comme ça, c'est terrible. Allez. Bon, allez, je pense qu'on est nouveau à 8 minutes. Bon, je suis désolé, je massacre ton copion. Mais on s'en fout, il est là pour ça. Bon, allez, on se retrouve pour la suite, les amis. À tout de suite. Bon, les gars, vous l'avez compris ou pas? Non, en fait, ça n'avait aucune référence. Si, on a essayé de faire les mignons. On a essayé de faire des mignons, mais les mignons gras. Bah, ils sont gras, les mignons, en plus. Alors, effectivement, nouvelle Suzuki. Vestrom. D-E. Et non pas D-L. Donc, je vous dis, privé de joke, entre Sarah et moi qui... honteusement, on devait aller chercher les trois motos et j'ai envoyé Sarah à Anvers chercher cette Suzuki. Je lui ai dit non, t'inquiète, c'est pas très haut. Ben si, c'est quand même extrêmement haut. Surtout que Sarah avait reçu, on lui avait fait une préparation spéciale rien que pour elle. Donc on avait retiré le traction control, on avait mis en mode C, qui est le mode le plus compliqué parce que c'est le mode le plus mou. Ouais. Et en plus, on avait ramené la suspension arrière au maximum. Bon, je ne vais pas tous les faire, mais il y a 25 tours au moins à faire pour réussir à descendre cette suspension. Donc, c'est le réglage de précharge de cet amortisseur qui, pour moi, a dû être un petit peu durci par les autres utilisateurs, donc les autres journalistes qui ont testé cette moto. Parce qu'on peut dire que, je peux le montrer directement d'entrée de jeu, donc tu as mis une vitesse dedans. Et on est sur un véritable trail pour faire du tout-terrain. Donc, c'est une suspension qui est... c'est souple, c'est très souple. Alors, c'est pas quelque chose qui... Alors donc, revenons-en à ce super sac de sel. Vous l'avez déjà vu? Eh ben, c'est pas le mien. Non. Gilles en a acheté un aussi. Non, c'est Sarah. Ah, c'est Sarah, c'est celui de Sarah en plus. Mais t'en as deux alors, Sarah? Non, c'est celui Sarah. Que Sarah m'a offert. Ah ben voilà, on s'offre des trucs dans le team. Et donc ça, c'est pas d'origine. Oh sinon, ben justement, ça c'est une des choses qui était importante aujourd'hui, c'est que les trois motos que nous avons reçues, que ce soit le Tresseur, la Transalp ou la Vestrom, ce sont des motos tout à fait d'origine, sauf, il y a une option sur le Vestrom, c'est cette cage. Ça, c'est vraiment une cage chez cage. C'est pas du truc décoratif, hein, les gars, parce que c'est vraiment du sérieux. Par contre, le superbe sabot moteur est d'origine. Et c'est vrai qu'on sent que c'est du sabot pour adultes. Hein. Alors, là, la Vestrom nous gratifie du plus grand écran TFT. Oui. C'est vrai qu'il est vraiment énorme. Ouais, quoique... Non, il est... Ok. Mais Sarah l'a marqué. Ah, Sarah l'a marqué. Sarah l'a marqué sur le petit copion. Alors, par contre, par rapport à cet écran, il n'y a pas la possibilité de changer les affichages. Il n'y a pas beaucoup d'options par rapport à ça. La seule chose qu'on retrouve, c'est ici au niveau du commodo du côté gauche. Donc, en fait, on retrouve le bouton mode. Et grâce au bouton mode, en fait, on va pouvoir modifier les différents paramètres qui sont ici. Donc, en fait, en les mettant en surbrillance. Donc, on voit là, il est en surbrillance. Donc, on a le traction control qui est disponible sur 4 positions, puisqu'il y en a 3. Plus en fait le fait qu'on puisse déconnecter le traction control et même un cinquième puisque nous avons un mode G. Alors non, ce n'est pas le point G, je suis désolé. Non. C'est le mode gravel, donc pour pouvoir aller dans la terre.
On peut aussi modifier donc les paramètres moteurs. Donc c'est en fait, je vais dire, la manière dont arrive la puissance. Donc on a trois modes. On a le mode A qui est le mode full. On a le mode B qui est intermédiaire. Le mode C qui est le plus souple. Rain. Voilà, qui est fait pour la pluie. Et ensuite, nous avons un ABS qui est disponible sur trois positions. Donc, par contre, là, vous serez obligé de stopper votre moto. Donc, en fait, tout simplement, on voit que quand j'appuie une seule fois, ça clignote. Si je tiens appuyé, par contre, on va voir que je peux passer sur d'autres modes. Et donc, en fait, on a deux modes d'ABS. Et puis, on a la possibilité de désactiver l'ABS. Et on voit qu'en fait, l'ABS est désactivé sur l'arrière. Donc, on le voit ici dans le coin de l'écran. Donc, voilà. Donc, dernière petite chose. Donc, même en mode gravel, ça ne retire pas complètement le traction control, donc ou vous le retirez tout à fait, mais en mode gravel, il est un petit peu, il est un tout petit peu, c'est-à-dire vous allez pouvoir mettre la moto en glisse, mais il y a un moment donné, le traction control va quand même venir vous aider. Alors, une des choses, ah oui, tout à fait, merci. Donc, la toute petite main que vous, venez de voir passer, c'est la toujours Sarah. C'est toujours, oui, forcément. Et donc, ben justement, on en parlait sur la Transalp, pas d'USB, et sur celle-ci, contre... oui. Sur la Suzuki, il y a effectivement une prise USB. Il y a une prise USB classique. Classique. Alors, voilà. De nouveau, ça reste quand même un positionnement assez bizarre, parce que c'est vrai que si vous branchez votre USB de ce côté-là, s'il flotte, qu'il pleut, ça va être un peu compliqué. Alors, excellente protection aussi sur, sur cette Suzuki. Très grand pare-brise. Pas réglable, par contre, support GPS. Tu peux le redescendre, mais il faut le démonter. Oui, pour voilà, le il faut le il est réglable sur deux positions. Donc, vous en rappelez sur le traceur. Donc, la facilité, excuse-moi, la facilité de le régler. Ici, pour le coup, bah, il faut démonter et le remonter. Voilà. Pour le reste, bah, c'est certain que, bon, cette Vestrom, nous a beaucoup parlé de la couleur. On est, comme sur la Transalp, Suzuki est reparti sur la couleur originelle de la DL800 des années, j'ai fait quelle année moi, en 90. Ouais, donc dans les années 90, il y avait la DL800 qui était le plus gros mono du marché. Ils ont gardé ce concept bec de canard devant, la couleur jaune Ricard. Et c'est vrai qu'il nous manque une petite pub Ricard et l'affaire est faite. Alors, on va voir au niveau de la hauteur, c'est la plus haute des trois motos du jour. Alors, Sarah a fait exprès. Elle a retendu la suspension arrière en pensant que j'allais pas avoir les pieds par terre, mais on voit qu'en fait, j'ai les pieds par terre, je suis tout juste et on voit voilà, au niveau de la position est vraiment super agréable sur cette moto. Sénatoriale. Ouais, elle est sénatoriale et j'avoue que franchement, elle ne fatigue pas du tout. Alors, aveu de ma passagère qui est venue sur cette magnifique selle arrière, qui l'a trouvé super agréable, très très facile. En fait, il n'y a aucun moment où elle a dû se tenir à moi, parce que franchement, les poignets tombaient vraiment bien. Et franchement, elle était agréablement posée. Elle m'a dit, voilà, je reviens d'un voyage de 1600 km quasiment. Et donc, elle me dit, oh, si on avait eu cette moto pour faire les 1600 km, voilà. Je ne dis pas Suzuki, parce qu'ils vont s'inquiéter. Mais si on avait eu cette moto pour pouvoir faire ce voyage, il est clair qu'elle aurait été bien mieux posée, moins fatiguée, surtout avec le sac sur le dos qu'elle avait. Et en plus, tu aurais pu faire des escales beaucoup plus... Enfin, des trajets beaucoup plus longs, puisque c'est un réservoir de 20 litres. Oui. Et donc, avec ça, vous allez pouvoir faire des bornes. Alors, dernière chose qu'on a remarqué aujourd'hui. D'abord, je fais une petite chose. D'origine, hop, sur la béquille 100. Alors, j'avoue qu'elle est un peu plus dure à monter. Oui, et puis on est en descente, Alors, il y a une chose qu'on a repérée aujourd'hui. Donc, je vous dis, aujourd'hui, il a fait vraiment très, très chaud. Et c'est quand même la moto qui... donne le plus de chaleur au niveau du moteur. Et c'est ça, on était tous les trois d'accord pour le dire, c'est vrai que c'est... Et peu importe la vitesse à laquelle on roulait, la moto a dégagé une chaleur vraiment extrême. Petite particularité, c'est que, comme je le disais dans la partie précédente de la vidéo, il faut quand même savoir que chez Suzuki, que ça soit la DE800 ou la G6S8S, sont équipés d'un shifter d'origine. Ça veut dire que quand vous achetez la moto, c'est pas une option, c'est d'origine, vous le recevez avec. Il est super agréable. Par contre, j'avoue qu'au niveau de la protection tout à l'heure avec la chaleur, que ça soit avec les déflecteurs de main qui sont là et le pare-brise, j'avoue que la chaleur du moteur qui se dégage surtout ici du côté de l'embrayage, d'ailleurs juste en passant ma main comme ça ici, c'est extrêmement chaud, même la protection ici est assez chaude. J'avoue que c'est le seul petit point, je veux dire, pas négatif, mais... qu'il faut rajouter en compte. Tout à fait. C'est vrai qu'elle chauffe pas mal. Alors, il y a une chose qui est vraiment spectaculaire. Donc, Tracer 7 GT, comme c'est pas un trail, on s'en fout. Mais c'est vrai que la Transalp vous permet une position debout
assez agréable malgré le fait qu'on ait quand même un réservoir en V entre les jambes. Celle-ci, on sent que c'était fait pour. C'est une moto sur laquelle on peut se mettre debout. Et on a vraiment la moto entre les jambes parce que malgré un réservoir de 20 litres, en fait, au niveau des cuisses, vous avez vraiment un réservoir fin. D'ailleurs, il est d'ailleurs protégé, donc c'est pas une erreur, c'est pas une surprise, c'est vraiment fait pour éviter d'abîmer la moto. Mais c'est vrai qu'on a vraiment cette moto entre les jambes. C'est une moto qui est extrêmement facile, une fois qu'on a le level, d'amener en truc. Alors oui, effectivement, les repose-pieds. On peut démonter les caoutchoucs. Il y a probablement une vis qui est juste ici en dessous qui permet de démonter les caoutchoucs, donc qui permet vraiment de l'emmener en tout terrain. On voit qu'il y a une protection qui est ici pour vraiment venir mettre sa botte contre et éviter de toucher le châssis. Donc on voit vraiment en fait qu'on est sur un véritable trail qu'on pourrait dire du niveau de tout ce qui est Ténéré, la Ténéré, les 890 Adventure et des choses ainsi. Donc on est vraiment sur un trail qui est complet. Suspension complètement réglable, aussi bien à gauche qu'à droite, à l'avant. Au niveau de l'arrière, on a une précharge et je pense qu'on a peut-être un réglage hydraulique qui doit être placé sur l'amortisseur, qui doit être accessible ici quelque part. Donc on a un véritable trail vraiment pour faire du tout terrain. Donc à part son moteur qui effectivement a, on va dire, 82 chevaux, c'est 82 ou 84 chevaux pour 8 mètres kilo de couple. Voilà, petit fait particulier, c'est qu'en fait elle a moins de chevaux. Ouais. Mais par contre, des trois motos, c'est celle qui accélère le plus. Ça veut dire que c'est celle qui donne le plus le sourire quand on tourne la poignée de gaz. Et pourquoi, Maître Gilles ? Ah, parce que pour moi, la démultiplication au niveau de la roue arrière, donc au niveau du kit pignon-chaîne, la démultiplication a certainement été raccourcie de façon à vraiment pouvoir donner cet effet un peu waouh au moment où on tourne. Et il n'y aurait pas un problème de couple aussi ? Un problème de couple ? C'est elle qui a le plus de couple. C'est elle qui a le plus de couple des trois motos. Tout à fait. Donc en mode 1, elle est vraiment, à la remise des gaz, elle est vraiment spectaculaire. C'est vraiment le braf qui part d'un coup. Ouais. Alors, Sarah, où en est-on ? Voilà, on a encore exagéré. Allez, les gars, vous savez quoi ? On va encore se retrouver. On n'arrête plus de se retrouver. À tout de suite. Bon, dis, question, tu prends laquelle ? Moi, je vais repartir. Je crois que je vais repartir avec la Transalp. Moi, je l'aimais bien, la Transalp. Moi, je vais repartir avec le Mignon. Non, on va la laisser à Sarah, elle aime bien. Ben non, mais moi je voulais reprendre le Mignon parce qu'en interfile, elle est pratique, elle est visible de loin. Ah, ça c'est vrai, le gros avantage de cette couleur jaune, elle est bien visible. Et au moins, on me la piquera pas. Bon, ça il faut voir. Bon, allez, ciao les amis.